Ouh, hello les gens, j'espère que vous allez bien. Et oui, on va retourner sur du The Last of Us. Je pense que je vais peut-être faire aussi un petit peu de Fallen Order. J'avais déjà commencé un petit peu sur Twitch, mais donc pour YouTube, normalement, je vais devoir vous sortir un de ces quatre, hein, la première partie de Fallen Order. Mais ça fait tellement longtemps que je l'ai fait, donc je l'ai fait avant The Last of Us, donc. Et donc là, ça fait déjà un mois que je vous poste The Last of Us, donc c'est pour vous dire que ça date. Mais bon, voilà, là, on va retourner sur le jeu, qui a encore eu une petite update, donc c'est plutôt pas mal. Et donc, on était avec Henry et Sam, et donc on va aller voir ce qui va se passer avec eux. Henri nous a déjà fait un sale coup, mais bon, allez, il nous a sauvés aussi parce qu'on était tombés dans la flotte. Et donc, il nous avait sauvés. Et donc, on va revenir. Donc, si vous voyez ça sur YouTube, en fait, j'ai beaucoup plus d'avance sur Twitch. Hein, donc, j'ai pratiquement personne qui me regarde. Donc, si vous avez envie de voir en live, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Ça fera toujours la conversation aussi, ça peut être sympa. Et on va aller voir ça. Ok, bon, on a fait le tour, on va y aller. Ils se sont un peu reposés. À quoi ici sans les infecter? J'arrive même pas à imaginer. Je crois qu'on est pas mal. Qu'est-ce qu'on va encore se taper comme truc? Je te conseille de pas les approcher de trop près. Ils sont pas comme ceux de la zone. Ils sont sauvages. Oula. À toutou! C'est parti. Ah, on peut faire des trucs. Ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut augmenter? Ah ouais, là. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Augmente la dispersion des tirs. Vitesse de rechargement, réduit le recul, ça c'est pas mal. Ça, déjà on fait ça. Celui-là, on va bien le booster. Capacité du chargeur, ouais, ça c'est pas mal non plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cadence de tir, ça je m'en fous en général. Propagation, on va faire ça. Comme je suis un très mauvais viseur, peut-être que au moins ça peut être intéressant. Bon, là, il va faire mal, hein. Il y a intérêt, hein. Ok, ça c'est bien. Lui, il est en or. On l'a bien. Ça que je voulais faire. Alors, mon fusil à pompe, il en est où? Augmente la portée de l'arme. Ça peut être pas mal. Ah, parce que les fusils à pompe, en général, ils tirent pas très loin. Pas mal. Réduit le recul de l'arme. Ça, on a déjà fait. Ok, ça on est bien. On va quand même voir mon petit fusil là.
Perforation d'armure. Les balles tirées par l'arme peuvent transfacer les blindages. Oh putain, ça je prends. Obligé. Je trouvais que mon arme n'était pas très efficace. Ce que j'aimerais, c'est des silencieux surtout, mais bon. Il faudrait que je fasse ça aussi, la puissance. Ouais, ça va, on s'en fout. Bon, on va garder pour l'instant. Le prochain truc que je voudrais, ça serait un peu la puissance. Ça pourrait être sympa. Ouais, ça a l'air bien. Ok. Pas du tout. Ah. Pourquoi j'étais en offline, moi? Je ne sais pas. Mais bon, on est revenu. Dans une nouvelle maison. Et on se reprend plein de petits machins, plein de petits boulons. Bon, il y en a des maisons. Pas trop le... Ah, y a un petit truc là-haut. Est-ce que ça va? Ouais, ça va. J'ai juste failli mourir. Attention. On va voir après. Il y a peut-être moyen de monter là-haut. Alors, en mon absence, tu es l'adulte de la maison. Prends soin de ton frère et compte sur toi pour le protéger. Je ne pars que quelques jours pour trouver à manger les fournitures. Si jamais je ne suis pas sûr, emmène ton frère à la zone de quarantaine à Pittsburgh. N'ouvre à personne d'autre qu'à moi. Économise tes balles. Si tu dois sortir, sois discrète et rapide. Profite de ta petite taille. À bientôt. Papa. Papa. Oula. Il n'y a rien du tout ici. Hop. Et ma balle. Attention. Alors, y a quoi? T'as trouvé un truc? Regarde. Merci. Ah, arme de mêlée améliorée. Ok. Bon, on va aller voir les toutous.
À mon avis, c'est dangereux. Peut-être. On verra. Écoutez, n'a pas peur. Bon, ils ont plus peur que moi. Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est un marchand de glace. Bon, il y a quelques maisons ici. Hein. On est en train de se refaire un petit peu de stock. Même si ça manque un peu de balles pour mes gros trucs. Il n'y en a que 1 et 4. C'est pas ouf. Un petit barbecue. Oh, sympa. Sympa la place. Bon, on pourra plus revenir par ici. Hein. On va peut-être attendre un coup. On passe par là. On va d'abord aller au bout. Ici. Là, il n'y a rien. Je préfère être sûr. Hein. Bon, là, il n'y a rien. Bon. Donc, il fallait bien passer par la maison. Michel était là. Ouais, on dirait bien. Comment on va les retrouver ? Je connais un gars. Mon frère, en fait. Il faisait partie des Lucioles. À ce que je sais, il était dans le Wyoming. On y va, on le retrouve, et on trouvera les Lucioles. T'en dis quoi, vous en êtes ? Ça m'a l'air d'un bon plan, ouais. Bon, on a fait le tour. Let's go. Oh merde ! La terre ! Plus loin dans la rue. Très bien. Restez tous ici. Non. Avant d'y aller, je voudrais que vous fassiez diversion. Je vais essayer de trouver un endroit d'où je pourrais l'atteindre. Ok. Sois prudent. Super. Vous allez où, hein? Vous allez où? Bon, il est super loin, en fait. Mais comment je fais, moi, pour passer? Bon, on va courir. C'est ça, planque-toi, connard. Je peux toujours. Oh, oh putain. Non, non, abaisse-toi. Mais abaisse-toi. Du con. Ah d'accord, carrément. Ok, bon, j'ai vu où c'était où qu'il fallait aller. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes passé où ? Enfoiré ! Ok,
Tiens, mange. Bon, ça c'est fait. Tu ne vois rien du tout, mec. Bon, est-ce qu'il y a encore des gens pas loin? Eux, ils sont là-bas. Je sais pas par où il faut aller, hein. Quand est-ce que votre copain va se montrer? Putain, mais c'est chaud, hein. Comment je passe, moi? Putain. Montrez-vous un peu, Salmion. Rien du tout. Venez, j'ai envie de jouer. Bon, on va quand même se soigner. Bon. Est-ce que je passe par là ou je passe par là? On va se faire taper dedans. Ouais, ouais. Putain, c'est chaud, hein. Bon, c'est pas passé. Bien joué. C'est pas cette caisse qui va vous sauver. Un petit peu quand même. Mais je me suis soigné. Mais allez, pourquoi il monte? Bon. Ah putain, il faut tout refaire en plus, quoi. Super, quoi. Abaisse-toi, malin. Après. Ouais. C'est chaud chaud. C'est ça, planque-toi, connard. Quand est-ce que votre copain va se montrer? Vous êtes sur notre territoire. Mais allez! Coucou! Putain, c'est hyper chaud! C'est ça, plante-toi, connard! Vous allez où, hein? Vous allez où? Oh là là, mais c'est impossible! Je sais même pas où il faut aller! Faut vraiment trouver le bon chemin, mais pour l'instant, je sais pas.
Bon, jusque-là, ce chemin-ci, c'est mieux. C'est pas mal. On va essayer d'aller là-bas. Gaffe qu'il n'y ait personne qui arrive. Bon, jusque là, je vois pas où je peux aller hein, maintenant. Vous avez intérêt. Oula. Non mais il exagère lui hein. Il charrie un peu quand même le monsieur, hein, moi je dis. Bon, attends. Ok, on va essayer de passer, je sais pas comment, mais... Je vois même pas où je dois aller. On va repasser par là. On va un peu mieux voir. Est-ce qu'on peut passer par derrière? Ah ouais, on peut. Ok, fonce. Mais quel salopard! D'accord. Tu le prends comme ça. Je savais pas qu'il y avait un con là, les deux cons derrière là. Mais c'était le bon chemin, à mon avis. Quand est-ce que votre copain va te montrer ? Oh, ta merde. Bon, déjà, lui, il est mort. Mais, qui me tire dessus? Oh, le fils de chien! Mais allez, d'où il sort, lui? Mais non! Mais d'où il sort, celui-là? Non, mais c'est chaud, hein. Mais allez, j'étais dans la maison, il n'y avait personne, quoi. C'est ouf. Vous êtes passé où, bande de merde? Moi, je vais retourner dans la maison. Je vais essayer de les choper pendant... Dans la maison. Je suis sûr qu'il y a moyen de les choper. Couvre-moi, d'abord. Couvre-moi. Je te couvre. Soit quel shot. Je les avais pas eu tout à l'heure. Hein.
Mais il va jamais monter en fait. Ça, c'est fait. Il y en a encore un là. Occupe-le ! Il est par là ? Il a plus. On se déploie ! Ah, quel froc! Hey, il est chiant, hein? Putain, mais c'est hyper chaud, hein? Oh putain, il y en a encore un. Et ils sont combien comme ça? Bon, tu montes, Gérard. Ok. Alors, est-ce qu'il y en a encore beaucoup comme ça? Je crois qu'on est pas mal. J'ai réussi à le... C'est de les trouver, hein, mais... Là, il n'y a rien. Mes voisins là, qui ont un bébé là. J'ai un petit peu coupé le son, mais une petite pause.
Ok, ça a l'air de s'être un peu calmé. Putain, mais je les vois pas, hein. Vous êtes passé où, bande de merde? On y est presque, mais... Bon, on tente d'aller jusqu'au camion. On va rigoler. Où est-ce que vous croyez aller comme ça? Hop. Chopez-les, les gars. Putain, mais c'est hyper chaud, hein. Je vois pas comment y arriver, hein. Mais... Putain, mais... Chopez-les, les gars! Comment je fais, moi? Putain, j'ai peur. J'ai peur! En plus, ils bougent pas les autres, hein. Couvre-moi, je te surveille. Je vais crever, hein. C'est sûr. Bon, on va essayer de pas crever, mais... Il est par là? Non, il s'est tiré. Ici, c'était une bonne place, mais il faudrait qu'il monte ici. Ça, c'est pas gagné. Rien à foutre, le gars. Et là, on n'a rien à foutre, le monsieur. Ah, baisse-toi. Mais allez! C'est ça que je voulais faire. Je vais jamais les tuer, en fait. Il utilise un arc. Qu'est-ce que je fasse? C'est impossible. Je le vois. Le porche. Putain, mais je me trompe chaque fois de bouton, c'est chiant.
Quoi? Qui me tire dessus? C'est impossible. Je dois vraiment faire autrement. Putain, mais ça leur fait rien, quoi. Ça me saoule. Je sais même pas d'où ils me tirent. J'en ai eu un, mais... Putain, mais c'est hyper chaud, quoi. Mais non, je suis pas là. C'est une blague. Putain, mais je vais crever, quoi. C'est ouf. Il est par là? Non, je le vois pas. Il est là, ce connard. C'est lui qui doit me tirer dessus, à mon avis. Ça, c'est fait. Bon, il y en a encore beaucoup. Bon, il ne doit plus rester grand monde quand même, c'est pas possible. Il est par là? Si, encore. Je vais t'avoir un tour. Putain. Je vois pas du tout où ils sont en fait. Il y en a un là. Il n'y a pas ailleurs un grand monde d'autres. Il y a un gars là. Il est par ici! Ok. Bon, écoute, on va quand même se soigner, tant pis. Histoire d'achever le dernier. Je sais pas s'il y en a encore beaucoup. Faut rentrer dans la maison.
Normalement, on est dans la maison où il y a le tireur fou. Il n'y a plus grand-chose. Il est où ? Il est là. Il est encore plus haut. Rien, quoi. Alors, il est où? Ici, en tout cas. Je dis pas qu'il est encore plus haut. Il n'y a plus. Il est où? Il doit être quelque part ici. Oui, il m'attend, c'est sûr. Bon, ça c'est fait. Ok. Merde. Bordel de merde. D'accord. Ok, j'avais pas bien compris. Ok, là on va faire. Et merde, je vise comme une patate. Faut que j'aille plus vite, hein. Et merde. Je savais que c'était à côté. Hey non, allez, j'y étais. J'avais réussi mieux. Bon, on avance. Et merde. Mais allez. J'ai voulu trop anticiper. Merde. Putain, mais je vise comme une patate, c'est pas possible. Putain, merde. Je l'ai même pas vu, lui. Je ne l'ai même point vu. Oh, j'aime pas du tout ça. Mais allez, arrête de viser à côté!
Merde. Allez, merde. Dépêchez-vous, grande bordel de merde. Bon alors, je vois plus rien. C'est la merde. Allez là. Mais allez, arrête de viser à côté! Allez. Non! J'y étais presque! On avait bien avancé là! Me dis pas que je dois tout refaire! Non, je crois que on peut faire des trucs mieux là. Merde. Putain, mais je vois pas. C'est trop loin. J'étais trop près en fait, je zoomais trop là. Ça suffit maintenant. Qu'est-ce que c'est? Non, j'ai tiré. Mais j'avais tiré! J'avais tiré, je vous jure! Oh là 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 là, c'est la grosse mémerde! On aura essayé. Mais allez! C'était bon ça! Mais c'est pas vrai. J'étais dessus. Mais allez, je vise dessus. Merde. Merde. Mais allez, je leur vise dessus là. Je vous jure, j'étais dessus. C'est n'importe quoi. Mais ouais, mais là je vais appuyer trop vite. Putain de merde. C'est la merde. Allez, Joël. Ouais, bon, allez, c'est bon. Ouais, tous mes tirs, ils sont passés à côté. C'est n'importe quoi. Le mec, il se fout de ma gueule, quoi. Allez. Eh, merde. Bon, il y avait des dés. Hyper chaud.
Allez, j'avais bien attendu. Voilà, ils sont où? Mais je les vois pas! Je les vois pas! Allez, j'avais bien joué là pour une fois! Pour une fois que j'avais bien visé! Allez. Eh ouais, je vais pas chaque fois y arriver, hein. Je suis nul à ce truc, punaise. Ouais, super. Joël. Non. Non. Ouf. Ah! Non! C'est nouveau ça! Allez, oui! Mais allez! Ah. Non! Faut mourir, monsieur! De rien. C'est bon. Tout va bien. On doit y aller. Très bien. Sam! Sam, tout va bien? Ouais, ouais, ça va. Vraiment? J'ai dit ça va. Allez, allez! En route! Vite, vite, vite! Come on.
Bon. Est-ce qu'on peut se barrer? Mais là, beaucoup trop de monde, hein, les gars. Ça va? Ouais, je crois. Vous êtes pas blessé? Non, ça va. Bon, je crois qu'il est temps de mettre les voiles. Allez. On y va. Eh ben, pas mécontent d'avoir fini ce truc, hein. Tu déconnes. Non, je te jure. C'était l'anniversaire de Tommy, et la seule chose qu'il voulait faire, c'était louer deux Harley et traverser le pays. Ah, c'était hyper chaud, quoi. Qu'est-ce que je donnerais pas pour en faire juste un tour. C'était comment? C'était bien, super bien. Bien? Eh non, mais tu l'entends? Allez, mec, quoi? Donne-moi des détails, décris un peu. Bon, vous savez quoi? Vous deux, vous avez besoin d'être seuls. Non, Ellie. On parle pas de n'importe quelle moto, là. Quand t'es sur cette bécane avec le moteur qui ronfle, ça n'a pas de prix. Ah ouais? Et qu'est-ce que t'en sais? Je l'ai vu en rêve. Ok. Je pense qu'aucun membre de notre groupe viendra. Ouais. Le pire dans tout ça, c'est de l'expliquer à Sam. Bon, c'est officiel, ces deux-là sont devenus potes. Qu'est-ce que tu fais? Je fais la liste de la bouffe qu'on a trouvée aujourd'hui. Je vois. Et on en est où au niveau des pêches en conserve? C'est Henri qui t'envoie. Non. Pourquoi Henri m'enverrait? Pour s'assurer que je fais pas de conneries. On s'en est plutôt bien sortis tout à l'heure. Surtout toi. Mais j'ai pas ma cam en fait. Tout va bien? Ouais, ça va. En fait, j'ai pas ma cam depuis tout à l'heure. En fait, elle s'est peut-être débranchée. C'est ça qu'elle a fait tout à l'heure, peut-être. Je ne sais pas pourquoi ma cam s'était débranchée. Okay. Mais... Ben... Dors bien. Pourquoi t'as jamais peur? Qui t'a dit ça? T'as peur de quoi? Voyons voir. Les scorpions sont assez flippants. Être toute seule. J'ai peur de finir toute seule. Et toi? Ces créatures dehors. Et si les gens étaient toujours conscients? S'ils étaient encore là, mais qu'ils contrôlaient plus leur corps? J'ai peur que ça m'arrive. Ok. D'abord, on forme une équipe, ok? On va s'entraider. Et deuxièmement... Ils ressemblent peut-être à des gens, mais la personne est morte depuis longtemps. Henri dit qu'ils sont partis ailleurs. Pourquoi il m'a fait offline? Genre au paradis. Tu crois que c'est vrai? Ça dépend des fois. Enfin, j'ai envie d'y croire. Mais t'y crois pas? Je crois que non. Ouais. Moi non plus. Oh! Avec tout ça... J'ai failli oublier. Tiens. Si c'est pas que tu l'as, il peut pas te le prendre. Allez, je suis crevée. On se voit demain. Je l'avais vu le ramasser.
s'en fout. Parce que il est mordu. Aïe, aïe, aïe. Ça sent trop bon. Bonjour. Où est Sam ? Je l'ai laissé dormir pour une fois. Hein ? Mais si tu veux qu'il nous rejoigne, tu peux aller le réveiller. Ok. Aïe. Sam ? Sam ! Qu'est-ce qu'il y a ? Merde, il se transforme ! C'est mon frère, putain ! Et merde ! Merde ! Ellie ! Ellie, est-ce que ça va ? Ah ouais. Oh non. Sam ? Sam ! Oh non. Henri ! Ellie, bouge pas. Henri ! Qu'est-ce que je fais ? Sam ! Henri, je vais te prendre ton arme, d'accord ? Sam ! Ok, ok, du calme. C'est ta faute ! C'est la faute de personne, Henri. Tout est ta faute ! Henri ! Henri, non ! Oh mon Dieu ! Aïe, 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 aïe. Automne ! Comté de Jackson. Ça veut dire qu'on n'est pas loin de Jackson, non ? Quelques kilomètres, pas plus. Prêt à voir ton frère adoré ? Je serais content d'arriver. T'es nerveux ? Je sais pas ce que je ressens. Bon, du coup, ça fait combien de temps, là ? On a combien de temps ? Poum poum, 1h19. Pour encore continuer un peu. Surtout que je vais avoir quelques petites coupures. Allez, maintenant on va avoir de la pluie, de la pluie et de la pluie, parce que c'est l'automne. Oh là là. Bon, je suis pas mécontent d'avoir fini cette saloperie, hein, parce que... La route s'arrête là. Ah. Suivons la rivière. Ça nous conduira jusqu'à Tommy. Viens. Bon. C'était donc bien ça. Bon. On en est où, là ? On n'a plus rien... en soignement. On est dans la merde. Et pas juste un peu. Et alors... ici... Alors il en faut 100. Et j'en ai 40, donc on n'est pas prêt de finir ça. Ok. Pas du tout. On peut pas du tout descendre ici. Hein. On va se... Ici, on meurt. Hein. Il s'est passé quoi entre vous ? Comment ça ? Tommy et toi ? Si vous êtes séparés, c'est pas une bonne raison. C'est juste qu'on n'était pas d'accord sur un point. Ah, nous y voilà. Quel point ? Tommy voyait le monde d'une façon et moi d'une autre. Et c'est pour ça qu'il a rejoint les Lucioles. Ouais. Ouais, ta copine Marlène lui a vendu du rêve. Ça l'a occupé pendant un temps, mais Tommy étant ce qu'il est, il a fini par laisser tomber. Ok. Et comment, votre dernière rencontre ? Je crois que la dernière chose qu'il m'a dite a été « Je vais plus jamais revoir ta sale tronche ». Eh ben,
Mais il va nous aider? Ça, on va le savoir très vite. En tout cas, on y arrivera. Avec ou sans son aide. Allez, on continue. Ok. Allez, cours, monsieur, cours. Oh, c'est quoi? Ça, là-bas, c'est une centrale hydroélectrique. hydro-quoi? Ça utilise l'énergie de la rivière, et ça la transforme en électricité. Et comment ça marche? Écoute, je sais ce que c'est, pas comment ça fonctionne. Très bien. Comment on traverse? Chemin. Si on lève la deuxième, on pourra traverser. Ouais, on va déjà pouvoir passer. Je crois qu'il y a moyen de descendre dans la flotte ici. Je vais trouver un truc. Reste ici. Alors, est-ce qu'il y a un truc? Pas du tout. Ah, c'est... Rien du tout ici. Bon, on va aller voir par là. Encore rien à faire. Ah ah. Bon, il va y avoir quelque chose. Quelque part. Bon, on va peut-être d'abord essayer d'aller voir quelque chose ici. Intéressante ou pas. Hop. Et voilà. Hop. Des flèches. Ok, on a chopé quelques trucs. Hein. C'était pas... Je sais pas si ça valait un sur un, mais... Hop. Voilà. Bien.
Bon, on a déjà récupéré un truc, c'est bien. Bon, maintenant, comment on fait? C'est ça la question. Je suppose que si je vais là, je meurs. Car ça marche pas. Est-ce qu'on peut monter? On peut pas monter du tout. Bon, est-ce qu'il y a un truc ici? Alors, c'est où qu'il faut aller? Faire monter la palette, mais elle est où la palette? Ah, il y a une palette en bas, ok. D'accord, je vois. Ok. Ok, Ellie, il faut que... Je sais que je grimpe sur cette foutue palette. Je crois qu'elle veut venir par là. Ça va? Le carrosse de mademoiselle est avancé? Alors, par contre, où est-ce que je peux la déposer? D'accord. Allez, vas-y, tourne. Ok. Mais oui. Quelle équipe. Ouais. Give me five. Bon, ça, c'est fait. Non, je meurs de faim. Je sais, moi aussi. Bon, le prochain écureuil, je lui fais sa fête. Une fois passé cet endroit, on essaiera de trouver à manger. Bon, si je meurs de faim, ce sera ta faute. Bon, il y a plusieurs chemins. Il y a quoi ? Rien du tout. Il n'y a que dalle. Ok, on va passer par là alors. On entre ? Il n'y a pas d'autre chemin. Passons par la centrale. Qu'est-ce que c'est? Nouvelle arme. Diablo. El Diablo.
super. Ligne opérationnelle. Bon, c'est quoi cette arme ? Ouais, c'est comme l'autre, mais pour tirer de loin. Mais si c'est aussi puissant que l'autre merde, on n'est pas dans la, on n'est pas dans le caca. Ok, alors il y a quoi ici ? Évidemment, c'est fermé. N'essaie même pas de dégainer ton arme et dis à la fille de lâcher la sienne. Ellie, fais ce qu'elle te dit. Ok. Dites-moi que vous êtes perdu. Écoutez, on savait pas que l'endroit était habité. On voulait simplement traverser. Pour aller où ? Tout va bien. Tu les connais, ces gens ? Lui, oui. Tommy ! Tommy. Oh merde. Comment tu vas, petit frère ? Oh putain. Ouais. Laisse-moi te regarder. Oh. T'as pris un sacré coup de vieux. C'est bon, ça sera bientôt ton tour. Ça, c'est Maria. Sois gentil avec elle, c'est. C'est elle qui dirige cet endroit. Madame, merci de ne pas m'avoir descendu. Ça aurait été gênant, vu que vous êtes mon beau-frère. Il va falloir qu'on s'explique à un moment. Ellie, c'est ça ? Ouais. Qu'est-ce qui t'amène ici ? C'est une longue histoire. Pourquoi on les ferait pas rentrer ? Ouais. T'as faim ? Oh, carrément. Fausse alerte ! On les connaît. On subit pas mal d'attaques. Il y a plein de bandits dans le coin. C'est calme depuis quelques jours. Qu'est-ce que tu fous ici ? Je pensais te trouver à Jackson. On essaie de redémarrer la centrale. On avait réussi à la relancer, mais une turbine est tombée en panne. On a l'électricité. Enfin, on avait. On va la récupérer. J'y crois pas. Vous avez des chevaux ? On en a plein, même. Hé, hey, Tommy, donne-moi un coup de main. Désolé, je reviens. Je peux ? Oui, bien sûr. Il aime qu'on lui caresse les oreilles. Tu es déjà monté à cheval ? Eh ben, ouais. Si tu veux, on pourra aller faire un tour avec lui tout à l'heure. Ça serait super. Oh, il est beau le cheval. Voilà. Eh, merci Tommy. Pas de problème. Allez, on continue la visite. Brave cheval. Earl ? Oui ? Qu'est-ce que tu fais là ? T'étais pas censé rentrer ce matin ? J'attends toujours Cruiser et les gars viennent me relever. On va se débrouiller. Allez, va rejoindre ta famille. J'en ai plus que pour 2 heures, ça ira. D'accord. Mais n'en fais pas trop. Ça va, Toto ? Maria ? Ouais, allez-y. On est dans la salle de contrôle. Steve va tout remettre en route. Tu viens jeter un œil ? Je préfère manger avec Ellie. C'était mon tour, de toute façon. J'y vais. Je viens avec toi. Va avec Maria et mange quelque chose. Joël ? Allez, Ellie. Laissons les gars travailler. Bon, je vous envoie Tommy. Bougez pas. Allez. Let's go. Ce sera la 6e fois qu'ils essaient de relancer les turbines. Ça fait qu'une semaine qu'on est là, mais ça semble long. J'ai quelque chose pour toi. L'an dernier, je suis retourné à la maison, au Texas. Le plus gros de nos affaires manquait. Le plus gros.
un peu passée, mais elle est encore chouette. Oh. Oh, Sarah. C'est bon. T'es sûr? Je l'ai... J'ai dit c'est bon. Ok. Je vais la garder pour toi. Tommy... Écoute, il faut que je te parle. En privé. Ouais, ok. Je vais juste aller voir les gars, vite fait. Allez. Ok, allez, let's go. Je sais pas ce que tu sais, mais va voir la ville. On compte plus de 20 familles maintenant. C'est Maria et son père qui ont créé cet endroit, pour vivre de façon autonome. On a des plantations, du bétail. On pensait que ce mode de vie était mort et enterré. Et pourtant... Et niveau sécurité? Les adultes gardent le périmètre à tour de rôle. On a même une barrière électrique, quand la centrale marche. Et vous avez toujours affaire aux infectés, hein? Comme partout. Faut bien faire avec. C'est peut-être pas obligé. Tu parles comme Marlène. Oh, je regarde vite fait s'il y a des trucs, hein, parce que... Parce qu'on peut pas dire que je sois hyper bien. Salut toi. Oh. Bonjour le chien. C'est un bon chien. Nice. Ces deux génies vont nous remettre la centrale sur pied. Je crois que c'est la bonne cette fois. Quoi, tu ne crois pas? J'ai pas dit ça. Je te parie un million que ça marche. Ok. Disons deux. On est presque prêts. Ils ont plus qu'à finir d'installer le bouclier. Ok, qu'est-ce qu'on a chopé? Durée accrue des écrans de fumée, ok. C'est parti. Ah! Donc on a eu un nouveau truc. Est-ce qu'on peut arranger cette merde? Ouais, ça, c'est pas mal, mais je peux pas. Je peux rien faire, en fait, dessus. Je ne peux rien faire. Ok. Je préfère quand même celui-là. Créer un emplacement. Ok. Je sais pas ce que ça fait, mais...
on peut pas. Non, là, on peut rien faire. Ok. Ça fera très bien l'affaire. Qu'est-ce que ça donne, du coup? Je ne sais pas. Non, on voit pas. Pour l'instant, on voit pas. À gauche, faites gaffe. Ok, c'est bon. Baissez-le doucement. Voilà, c'est bon. Tommy est là. On peut y aller? Juste une petite seconde. Ok, c'est bon. Prêt? Vas-y, démarre. C'est parti. Oh putain! On a réussi! Et la lumière fut. Bon boulot, les gars! Faudrait appeler Maria pour lui annoncer la bonne nouvelle! T'as vu ça? Assez impressionnant. Tu vas devoir me trouver 2 millions. Tu l'as dit. Allons en discuter. Bon, laisse-moi juste regarder s'il y a des trucs. Brique. Pas l'air d'avoir grand chose. Alors on continue. C'est une sacrée équipe que t'as là. C'est des types bien. Cet endroit leur donne une seconde chance. Il nous donne à tous une seconde chance. Pourquoi t'as quitté Boston? Je me suis lancé dans une drôle d'aventure. J'imagine que c'est lié à cette gamine. Tout est lié à cette gamine, petit frère. Allez. Vas-y, raconte. Elle est immunisée. Contre quoi? Écoute, oh, je le sais. Je l'ai vu respirer assez de spores pour tuer 10 d'hommes. Et rien. Je n'y aurais pas cru non plus. Mais je peux te montrer. Ok. Je te crois. Pourquoi l'amener ici? J'étais censé la livrer aux Lucioles. Mais vu que ce sont tes copains... T'as raison. Tu peux finir le boulot et empocher la récompense. Ça fait des années que j'ai pas vu les Lucioles. Mais tu sais où ils sont. Je ne te demande pas grand-chose, Tommy. Je veux un peu de matos. Juste de quoi repartir. Qu'est-ce qui te fait croire que je ferais ça pour toi? C'est pas pour moi, Tommy. C'est pour ta foutue cause. Ma cause, c'est ma famille, maintenant. T'es pas en train de me parler d'une promenade de santé, là? Tu te fous de ma gueule? Demande à Maria de rassembler quelques-uns de vos potes pour ils le faire. Ils ont aussi une famille, mes potes. Tommy, s'il te plaît. Tu veux du matos? Ok. Mais compte pas sur moi pour te débarrasser de cette gamine. C'est comme ça que tu me remercies, hein? Te remercie? Pour toutes ces années où je me suis occupé de nous. Occupé? Non, mais tu veux rire. Tout ce qui me reste de ces années, c'est des cauchemars. Tu as survécu grâce à moi. Eh ben, ça valait pas le coup. Je t'apporte le salut de l'humanité et tu oses jouer les petits frères pleurnichards. On n'est plus à Boston. Si tu lèves encore une fois la main sur moi, tu vas le payer cher. C'était quoi, ça? On nous attaque. Tu sais encore tuer un homme, non? Ouais. Merde! Des bandits! Arrêtez-les! Ne les laissez pas entrer! Ah,
J'ai plus d'armes. Reste sur tes gardes. Magne-toi. Pas du tout, je dois aller. Hein. Je l'ai eu. Fais gaffe, Tommy, parce que j'ai cru que c'était pas. Bon, ils sont où? Non, parce que bon, ils sont tous au-dessus. Hein. Je sais pas où je dois aller, mais j'ai plus grand chose là. Et je suis à deux doigts de crever. Alors il est où? Je ne vois pas. Bon, on va essayer d'approcher. C'est bon?
Trop de monde, hein. Ces fils de pute. Bien joué. Faut qu'on rejoigne les filles. Je te suis. Je les entends, Joël. À toi de jouer. Je regarde, il n'y a pas des trucs encore à récupérer là, parce que... Je sais qu'on est pressé, mais... Comment je fais, moi? Là-haut! Bien joué! Des armes, des armes, des armes, des armes, des armes. Quoi? Alors, ça donne quoi? On a récupéré un peu. Et merde. Oh merde, je l'avais vu, mais trop tard. Non, mais c'est hyper chaud, hein. À toi, Joe. Et merde. Ok, fonce. Okay. Ah, c'est ma faute, j'ai fait n'importe quoi. Bon, allez. À toi, Joe. Connard!
Putain, mais c'est moi qui fais tout, on est trois et... Encore du monde, hein. Couvre-moi, j'avance. Ouais, je te couvre. Putain, mais je dois utiliser trop d'armes, ça m'énerve. À toi. De... Mais allez, abaisse-toi! Ok. Bon, Tommy, tu fais quelque chose, bute-le, je sais pas, n'importe comment. Mais... Allez, ça bouge tout le temps. Il n'est pas stable. Mais... Tommy, couvre-moi. Fais gaffe! Il veut pas tirer. C'était peut-être pas un genre, c'était peut-être pas un méchant. Couvre-moi. Je sais pas où ils sont les méchants. Ils sont tous morts.
Tommy ? Maria ! Je vais bien ! La petite est avec moi ! C'était bien trop chaud. Ça va ? Ouais, ouais, ça va. Joël ! Oh merde ! Ils arrivaient de tous les côtés à la fois. Et puis Maria a dit, écoute, il faut courir ! Alors, on a plongé derrière cette table, calme et les géants... Calme-toi, écoute ! Hé, hé, tu es blessé ? Non ! Putain. Il faut que je te parle. C'est hors de question. Dis-lui d'aller trouver quelqu'un d'autre. Maria, je veux pas avoir ça. Yes. Tu sais le nombre d'hommes qu'on a perdus ici aujourd'hui ? Hey, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est en rapport avec moi ? On parlera de ça plus tard. Il a risqué sa vie pour nous. Et alors ? Est-ce qu'il t'a dit où était le labo ? On parlera de ça plus tard. Je connais ses routes. Je suis allé là-bas. Plus tard. Je vois. Il suffit d'une fois. Un seul faux pas. Et moi aussi, je me retrouverai veuve, ok ? Je dois le faire. Je sais pas quoi dire d'autre. Très bien. Maria. Maria ! C'est parti. Vous. Si quoi que ce soit, si quoi que ce soit lui arrive, ce sera votre faute. Hey, je viens de vous sauver le cul, hein, c'est bon, hein ? Ouais, je sais. Je vais emmener la gamine, t'as pas à t'en faire pour ça. On ira tout droit chez les Lucioles. C'est mieux comme ça. Ouais, peut-être que tout ça finira bien. Il faut que je parle à Ellie. Répète, j'ai pas entendu. Joël ! Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Ta gamine, elle a pris un de nos chevaux et elle s'est enfuie. Eh merde, vers où ? Viens ! Je viens de la voir partir par là. Retourne à l'intérieur. Va aider les autres à nettoyer. Ok, faites attention. Là, tu vois ces traces ? Ouais. Allez. Ok. Bref, pour YouTube, on s'arrête là. Et je vous fais plein de bisous, plein de poutous, prenez soin de vous, à très vite, et goodbye les gens pour du The Last of Us.